Et bonjour à toutes et à tous, c'est Aza, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, découverte du jeu Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book sur PlayStation 4. C'est un jeu développé par Gust et un jeu édité en Europe par Koch Media. Allez, c'est parti. Alors déjà, un très bon point pour le jeu, vous pouvez choisir les voix japonaises. De base, en Europe, c'est voix anglaise, mais bon, on peut mettre voix japonaise, ça c'est très très bien. Donc c'est parti pour le jeu. さて、続き続き。ここでプニプニ玉を入れて、少し見えたら、うん、いい調子。ここはヒルヘンベル。緑があふれ、今日この町に一人の少女が暮らしていました。少女の名はソフィー。亡くなった祖母から教わった錬金術でアトリエを営んで、とはいえその腕前は。錬金術、そしたらすごい薬とか作って町のみんなから頼る。そんなのあったら苦労し、あ、はーい。こんにちは、ソフィー。さっきまた失敗。それよりモニカ、どうしたの？何か用事？ええ、実は頼みたいこと。へえ、モニカが頼み事なんて珍しいな。どうしたの？さっきホルストさんに会ってどこに行って、ほらソフィーって。一応は余計だよ。でも山師のおばあちゃんが作ってるのを見た。もともと私が引き受けた依頼。ううん、大丈夫。あ、でもでも。 Allez, c'est parti directement. On est dans l'atelier. Le jeu est surtout basé sur tout ce qui est alchimie. Il n'y a plus les contraintes de temps comme dans les anciens ateliers. Je suis pas un aficionado à 100% de la série, ça vous le savez, j'en avais déjà parlé. Passé un moment, j'en ai fait juste 2 ou 3, il me semble, surtout les tout premiers, où il y avait cette contrainte de temps. Là, il n'y a plus cette contrainte, ça c'est très bien. Mais en tout cas, j'adore toujours le travail de Gust au niveau du chara design. Et je trouve qu'elle est trop mimi, la petite Sophie. On a vu Monica aussi dans l'intro, bah, elle est là, regardez. Je la trouve vraiment sympa, on va parler un petit peu avec elle. Ok, tu dois finir rapidement. Ok, je vais t'attendre ici. Alors là, c'est l'atelier. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est inversé. D'accord, bon, c'est pas très grave. Je vais garder inversé. Hop, on va pas aller dans les options pour l'instant. Je trouve ça vraiment très sympa graphiquement. En tout cas, moi, tout ce qui est atelier, j'aime beaucoup. Ah, il est où son livre? Il est où le livre? Il est là. Non, c'est pas lui. Bah alors, ah, il est là. Je cherchais le livre, il est forcément à côté de notre grosse marmite. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne reconnais pas ce livre. On va le regarder un petit peu pour voir ce qui cloche, en gros. C'est un livre qui fait référence à l'alchimie. Mais ce n'est que le début. Il y a des pages blanches.
Peut-être que grand-mère en a écrit un autre. Tu te souviens de quoi? Vous pouvez synthétiser les items avec le chaudron. Vous pouvez accéder à votre bureau pour sauvegarder et charger votre partie. Le lit, c'est pour se reposer. Ok, ça marche. Alors, ici, il y a quoi? Berg Medicine. Next. On va essayer de le faire. Voyons un peu ce que ça donne. Alright, time to try my king hit. Il est temps d'essayer. Allez, bonne chance, Sophie. Pour synthétiser un item, sélectionnez-en un. Synthétiser aucun. Ok, ça marche. Synthétiser maintenant. Après avoir les matériaux. Ok, ça marche. Ah, celui-là. Ok. Après, sélectionner le matériel. Ok, ça marche. La catégorie. Là, on est bon. La qualité, les effets, la taille, les points utilisés. On va mettre ceci ici. Là, il faut deux. Et là, oula, j'en ai plein. C'est bon, on a tout synthétisé. C'est parti. Berg Medicine number 1. Ok. Complétion, ça redonne des HP. Hop, on est level 3 en alchimie. Next, 3 points d'expérience. Voilà, tout simplement. Changer la page. Ok, équipable, bien sûr, Sophie. Next. Là, on est bon. Next. Ok. Alright, down, Monica, c'est bon. Merci Sophie. Allez, merci de m'avoir aidé. Nous sommes des amis, pas vrai? Let's go. Attends, juste une minute. Faut que j'écrive sur le livre. Pour m'en souvenir. Ok. Désolé pour l'attente, Monica. Nous pouvons y aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Mr. Horst! Oh la dégaine qu'il a lui! Horst Bassler. Ah, vous deux, qu'est-ce que vous y arrive? Vous avez besoin de quoi? Oh, thank you! Ah, vous avez fait, c'était très rapide, Monica. Sophie m'a aidé. Nous avons fait un Berg Medicine. Ok. Sophie, tu peux faire ça? Ouais. Elle va nous payer, elle nous a donné 200 coal. Donc du coup, l'argent du jeu, c'est coal. Merci encore Sophie. Passez une bonne journée, Mr. Host, Sophie. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Parce que là le livre il s'est illuminé. On va rentrer directement dans la maison. Waouh, j'ai bossé dur aujourd'hui. C'était difficile.
Le livre il flotte. Qu'est-ce qui se passe? What? Il parle? Le livre il parle. S'il te plaît, calme-toi. J'aimerais juste te parler. Je suis un peu étrange pour un livre. C'est clair, c'est un peu étrange pour un livre de parler. Voilà, pardon. The one I wrote in. Vous avez obtenu un trophée. Ok. Yes, je suis Pashta. Tu fais un peu peur, Pashta. Oh, tu as un nom. Je suis Sophie. Sophie, je m'en souviendrai. Miss Pashta. Appelle-moi Pashta simplement. Qu'est-ce que vous êtes exactement? Un livre. Tu es un livre. Tu flottes et tu parles. C'est très étrange. Ça qui est étrange, on se souviendrait. Attends, Pashta. Je suis actuellement alchimiste. Du moins, un novice alchimiste. Bon, apparemment, Pashta va nous apprendre un peu de l'alchimie au fur et à mesure qu'on va jouer dans le jeu. On va commencer maintenant, Sophie. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Atelier Sophie, The Alchemist of the Mysterious Book. Voilà, une bonne petite entrée en matière avec cette petite intro. On a vu le vrai visage de Pashta dans l'intro, le chara-design des autres personnages. Et en tout cas, moi j'aime beaucoup. Voyons un peu ce qui va se passer maintenant. Apprends-moi comment faire plus de stuff. Tu es très enthousiaste. Allez, hop, on va synthétiser apparemment. C'est parti. Tu vois, des matériaux. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Yamashi no kusuri o tsukuru no ni zenbu tsukatchatta mitai. Nara,
取りに行く必要があります。うん、一応知ってはいるけど。あ、そうだ、モニカについてきてもらおう。モニカ、昨日。うん、モニカ。なるほど、それなら安心です。え、はい、見ての通り。そっか、分かった。はい、なるべく早く。あまり寄り道をしてこられると。そうだね。Allez, event, important events, learn, apprendre. Ok, la plage ta, ça marche. On va aller sauvegarder déjà, ce sera pas mal. Voilà, save. Ce sera un bon point. On va aller visiter un petit peu le village, pardon, et on va s'arrêter là. Je voulais pas vous en dévoiler un peu plus, c'est à vous de faire la découverte du jeu maintenant. Moi je ferai ça de mon côté en tout cas. Allez, nous avons besoin de pas mal de choses, c'est parti. J'adore son petit sac à dos, sa tenue, excellent. Si on fait triangle. Alors là c'est tout ce qui est inventaire, équipement, matériaux synthétiques, important, ok. Les events, en progrès complété, l'équipement. Est-ce que je peux équiper autre chose? Des items? Non. Ok. Le statut. J'aime beaucoup vérifier un peu les artworks, tout ça dans les statues, vous le savez. Je vous avais déjà montré ça dans Star Ocean 5, dans la version japonaise. Je trouve qu'elle est vraiment très très classe. Et les settings, bien entendu. Attendez, dans les settings, est-ce qu'on peut changer le langage comme on veut? Oui, apparemment. Bon, ceux qui veulent changer, revenir en anglais ou repasser au japonais comme ils veulent, ils peuvent le faire. On peut même changer la difficulté du jeu. Oh là là. D'accord, on va se mettre en normal comme c'était. C'est parti. Allez, on sort. Bon, c'est pas très très vivant apparemment. On peut parler à tous les PNJ. Vous avez besoin de visiter l'église, ok. On va y aller tranquillement. L'église est là-bas. Ça a l'air assez grand. C'est assez linéaire parce que bon, on n'a qu'un chemin pour l'instant. Et on retrouve Monica. En gros, on est venu chercher Monica, elle doit venir avec nous. Of course, nous y allons. Allez. Pas de problème. Ok, ça marche. Je pense qu'on va un peu de combat maintenant. Monica, join your party. Les bombes. Et les trucs pour se régénérer. On va voir un peu comment on peut équiper nos personnages. Les tout type, ok. Ça marche, pas de soucis. On peut équiper 15. Le personnage pour équiper. Ok, ça marche. Seconde page. Ok, c'est bon. Équipement. Hop. Les items. Bon, j'ai pas grand chose de toute façon. Je n'ai pas grand chose. R1. Ok. Change page. Ça marche. Alors. Ça, c'est le statut que je voulais voir moi. Je voulais voir l'artwork de Monica. Excellent. Allez, c'est parti. On y va. Il n'y a rien ici. Est-ce qu'on peut rentrer? Pour rentrer dans l'église? Non, elle est fermée. Elle est fermée. Là, je pense que je vais être bloqué. Là, c'est le vieille ville. Ok. On va aller voir le monsieur là-bas. On peut pas trop courir plus vite. Hein. Ah, là, on est à fond. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas trop gênant. Bonjour. On y va. Dans la petite rue. Qu'est-ce que vous faites? Marguerite. Un nom typiquement français, c'est un nom. Marguerite Bellemeur. Elle est assez belle, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup les yeux verts comme ça. On a besoin de matériaux. Ah bah, j'ai de la luxe, test et tout et tout, ok. Sophie va où? Sophie. Donc, si je rentre, je peux rien faire. Si j'y reparle, revenez plus tard. Ok, bon, on reviendra plus tard. Pas de souci. Alors ici, dans le café, c'est fermé. Je vais aller ici. C'est fermé. On va aller tout droit. On va re-rentrer dans la ville. Du moins, on était peut-être pas encore dans la ville. Ah si, quoi que. Il n'y a rien du tout là. À part elle. Bonjour. Allons-y. Je pense qu'on aura des combats là. On prend le pont. Et on se casse sur la world map. Voyons un peu ce qui va se passer. Elle est pas mal la map en tout cas. Chick Woods. Ok. Kirchenbell, ok. On va y aller hein, tranquillement. Ouais, sans call. C'est cool. On va avoir de l'argent en plus, c'est bien. On peut trouver ça sur la world map. Ah, c'est ça qui est un peu difficile de faire une découverte sur un RPG. Je voulais quand même faire une découverte, je voulais pas vous faire un test ou une critique après avoir bien joué au jeu. Je voulais qu'on le découvre ensemble, mais c'est vrai que c'est assez long à se mettre en place un atelier, mais bon. C'est pas très grave, vous aurez quand même la découverte, histoire de voir un peu de quoi il en retourne sur ce jeu dans sa version PlayStation 4. Oscar. Oula, c'est quoi ça? Oula. C'est quoi lui? Oscar Belmer. Nous avons besoin de produits d'alchimie pour des plantes, ok. Surtout qu'il y a pas mal de dialogues, donc du coup, même si je traduis pas forcément tout, j'essaie de comprendre le dialogue par moi-même. Ok, alright, Oscar, Marguerite, je vais te voir apparemment, ok. Quel est ce son? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est parti pour le combat. Here they come. Let's go. Ouais, on va... explique-moi les combats. C'est parti. Et après, on s'arrêtera là pour la découverte du jeu. En combat, les ennemis et les alliés ont des tours d'action, en fait. Voilà, tout simplement. On peut faire des chaînes, théoriquement. Sélectionner la commande. Vous pouvez utiliser la commande avec la croix directionnelle et X pour confirmer. Ça, c'est bon. Ça, c'est le nombre, c'est le tour en fait. C'est l'ordre des actions. Nous avons l'important. Faites un battle instance. Vous avez deux types de stance, offensive et défensive. On peut switcher R1 pour différents perks. Ok. C'est offense, attaque power, support attaque, défense pour bien sûr améliorer la défense pendant le combat. Support guard, ok. Chain link gauge is filled to 100%. Voilà, allez, on est parti pour le combat. Offensive, défensive, attaque. On va attaquer directement le Blue Puny, un ennemi assez classique de la série. Et là on peut voir un peu le gameplay en combat, ça peut être pas mal. Allez, on va attaquer aussi. Et on va attaquer aussi. C'est parti pour le tour, let's go. Je pense qu'on va le déchirer quand même. 2 HP m'a enlevé. Oh. Level 1, level 1, level 1. Ok,
On l'a un peu déchiré quand même. C'est dangereux d'y aller tout seul, viens avec nous. Les monstres peuvent attaquer régulièrement. Tu as probablement raison, je viendrai avec vous. Fine, I got it. Allez, tu vas la voir et on va aller retourner voir Marguerite. Join your party. Would you like to view expansion of the gathering point? Alors, on peut ce que ça donne. Next, ok. Monster. Toucher un ennemi. Le combat commence. Ouais, bon, ça, ouais, si vous le touchez en premier, c'est du classique d'un RPG actuel. Vous le touchez le premier, c'est vous qui attaquez. Vous avez un avantage au début du combat. Vous pouvez. You can swing by pressing carré. Make good use for this. Ok. Bon, on verra ça par la suite, ce que ça va donner. Alors, il n'y a rien à ramasser. On rentre. Ah, si, ici, voilà. Ça me semble bien. C'est une plante. Peut-être que Oscar en aura besoin. Oh, il y a pas mal de plantes déjà d'entrée de jeu. Alright. Apparemment, il y aura encore un peu plus à trouver. Attention aux monstres majeurs qui apparaissent régulièrement. Tout est ok. Nous pouvons retourner à l'atelier apparemment. Allez. Non, on s'en fout. On va faire nos. Et on y va. C'est parti. On y va, on y va, on y va. Il y a des petits moments de parlotte en bas à gauche. C'est un peu comme les private action. C'est parti. Alors on revient au village et on va s'arrêter là les amis. Bon, j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. C'était vraiment une vidéo découverte tranquille, à la cool, sans prise de tête. On essaye un peu de voir un peu le début du jeu, voir ce qui va se passer. Et ça a l'air vraiment sympa en tout cas. Le jeu me plaît aussi bien esthétiquement que graphiquement. La DA a l'air pas mal. J'aime beaucoup le character design. Et je pense que cet atelier Sophie saura me satisfaire grandement au fur et à mesure que je vais y jouer. Voilà, allez, on confirme. Nous sommes revenus et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.